La réélection de Donald Trump à la Maison-Blanche a créé une onde de choc en France. Le président de la République a félicité le milliardaire américain pour sa victoire à l'élection américaine tôt ce matin, et cela avant même la proclamation des résultats définitifs. Félicitations, président Donald Trump. Prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition, pour plus de paix et de prospérité. La gauche française s'est réveillée avec une gueule de bois. Plusieurs figures ont alerté des dangers de la réélection de Donald Trump. Cet enfer qui se profile. Courage aux Américaines et aux Américains qui seront en première ligne des politiques de Trump. Courage à nous toutes et tous. Grosse gueule de bois ce matin. Tous les pouvoirs fédéraux, président, Sénat, Cour suprême, aux mains de Trump. Je pense aux futures victimes des délires trumpistes, du front des États-Unis au front ukrainien. Nous, progressistes, ici et ailleurs, attachés à la démocratie, au progrès écologique et social, devons sérieusement nous interroger sur ce résultat qui nous menace tout autant. Les États-Unis ne pouvaient pas choisir la gauche. Il n'y en avait pas. Quand il n'y a plus de gauche, il n'y a pas de limite à droite. Quand il n'y a pas de bataille de programme, l'élection devient un casting. La victoire de Trump est la conséquence imparable de cette situation. Le monde va monter en tension. Prudence et détermination. Les partis de droite et d'extrême droite, en revanche, jubilent et se félicitent du retour de Donald Trump à Washington. J'adresse mes vœux de succès à Donald Trump pour sa nouvelle présidence à la tête des États-Unis. La démocratie américaine s'est clairement exprimée et les Américains se sont donné en toute liberté le président qu'ils ont choisi. Cette nouvelle ère politique qui s'ouvre doit contribuer au renforcement des relations bilatérales et à la poursuite d'un dialogue et d'une coopération constructive sur la scène internationale. Je suis extrêmement heureux de la victoire de Donald Trump. Je veux lui adresser mes plus sincères félicitations. Cette victoire est porteuse d'espérance pour les États-Unis, bien sûr, porteuse d'espérance pour le monde et pour le retour de la paix dans le monde, notamment en Ukraine et au Proche-Orient. Elle est aussi porteuse d'enseignement et porteuse d'espérance pour la France. Donald Trump est donc le 47e président des États-Unis. Est-ce là la victoire du patriotisme américain ou le cauchemar des libertés individuelles? Écoutez ce qu'en pensent ces Parisiens. C'est une très mauvaise chose, pour les femmes surtout, parce que sa politique est vraiment contre l'avortement, etc. Et par contre, après, pour la situation au Moyen-Orient, peut-être que c'est quelque chose de positif, mais après, à voir. Moi, honnêtement, j'aurais pas voté pour lui, mais c'est vraiment très surprenant. Ça fait peur pour l'avenir. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que c'est quelqu'un qui est déjà pas bon pour diriger un pays, et puis de toute façon, il a eu un comportement inacceptable par rapport aux femmes, par rapport à la justice, par rapport à... Voilà, c'est un brigand, quoi. Et c'est lui qui va diriger un des pays les plus importants du monde, donc c'est grave. C'est pas mon président, donc je m'en fous. Mais est-ce que vous avez peur de ce qu'il peut faire? Non. C'est pas mon problème. Je ne suis pas particulièrement ravi parce que je le trouve très excessif et caricatural. Mais il faudra faire avec. Après, sur la victoire de Donald Trump, nous sommes arrivés à un moment où les peuples, chacun pense à soi-même. Ouais, tous les peuples sont comme ça. Nous, le monde devient comme ça. Chacun pense à ses propres intérêts. L'Américain, il pense qu'à lui-même. Je suis content qu'il gagne Donald Trump pour redresser l'économie. Parce que quand il est arrivé, il a boosté l'économie américaine. Voilà, les Américains, les autres après. C'est vrai qu'il a un côté virulent, mais cela ne veut pas dire qu'il est, il est mauvais, on va dire. Voilà, c'est les intérêts des Américains qu'il faut voir en avance. Donald Trump élu à la Maison-Blanche, il sera donc à partir de janvier prochain le président des États-Unis pour les 4 prochaines années. Et sa priorité numéro un, il l'a dit à plusieurs reprises, ça va être d'apaiser les tensions sur le plan international et de mettre un terme aux guerres en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient. L'Union européenne qui a soutenu très vivement l'administration Biden au pouvoir, mais aussi les Ukrainiens face à la Russie, va devoir très vite réévaluer ses priorités. Et pour cause, l'objectif premier de Donald Trump, c'est de rendre sa grandeur à l'Amérique et à l'Amérique seulement.